montre la jolie. Montre la jolie. Montre la folie. Dans l'Alaska. C'est bien. Delta, Magma, Expansion Zéro. Personne, le de Yo, Expansion Zéro. TIN, le sacré phénomène, Expansion directe. Julie, l'Expansion directe. Charles. Et le KIWS, Kurtra, l'Expansion directe. Toujours de plus, mais suivi à la trace et activement recherché. Toujours sur ma trace, tant pis, je veux quand même des neuf chiens. Et je lis, toujours plus sombre. Oui, le deal et le gun, c'est notre dernier nerf. Je ne veux plus tenir les murs de notre thé. On s'est rencontrés il y a donc 4-5 ans à Mantes, au sein d'une association qui s'appelait STK, qui regroupait des rappeurs, graphistes, tout ce qu'on appelle l'art de la rue, comme on dit, quoi. Et donc on s'est rencontrés là-dedans, on a commencé à travailler ensemble par affinité, parce qu'on avait des trucs en commun. Donc le groupe s'est monté comme ça, puis on a commencé à créer des maquettes, des produits. Et puis un beau jour, Ghetto Youth Productions qui sont ici, il y a Kemar qui représente et dans l'Ascar par là-bas, qui représente donc Ghetto Youth Productions. Et eux, ils ont écouté nos maquettes, ça leur a plu, on s'est retrouvés sur la compilation Ghetto Youth, la première. Il y a tout quoi dans notre album. Enfin tout. Il y a notre reflet à nous cinq, quoi. Expansion directe, c'est le reflet de notre vie, le reflet de tout ce qu'on a fait, tout ce qu'on a vu, toutes les merdes qu'il y a, tout quoi. C'est un reflet, quoi. C'est... Voilà, enfin, après, une toute neuve. Le tout petit qui serait le plus grand ami. Maranda attendait un heureux événement. En l'occurrence, moi, évidemment. Les premières années de ma vie passèrent très rapidement. Le petit enfant devint grand. Garde-moi. J'avais 10 ou 12 ans, je ne sais plus. Mais déjà l'âge de faire connaissance avec la rue. On aime bien Ministère Amer. Il y a des groupes qu'on n'aime pas, il y a des groupes qu'on aime bien, comme Ministère Amer, la Clica, De Balneg, Les Trois Coups. Agent secret, il y en a plein, c'est pas des groupes qui sont trop connus, à part Ministère Hammer, mais c'est juste maintenant qu'ils commencent à être connus, quoi. Mais bon, il y a une nouvelle génération de rappeurs qui arrivent, t'as vu, ils sont tous jeunes, t'as vu. Et il y en a plein à l'appel, devant la porte, qui attendent de se faire enregistrer, tu vois. Qui fait que, voilà, quoi. Mais c'est pas tous les groupes de rap qu'on aime, quoi, tu vois, c'est pas ceux qu'on voit à la télé qu'on kiffe, quoi. Parce que pour l'instant, ceux qui passent à la télé, c'est ceux qui sont encore plus cool, quoi. Donc on voit bien que ce soit un peu plus hardcore, quoi, que ce soit plus peurant. Il en faut pour tous les goûts, il y a ça là pour les joueurs bourres, et ben nous on voudrait bien, j'ai rien contre lui, hein. Et nous on voudrait bien qu'on soit pour les mecs du ghetto, quoi. Papa, tu m'entends? On va tout s'attendre. C'est moi ton fils aîné qui se fait goûter. Chaque fois que je te vois plonger dans les pensées, seul dans l'obscurité, je peux deviner que tu regrettes amèrement les gestes passés. La fonction publique t'a couillonné. Arrivé en France, te voici confronté à la réalité. Et toi qui t'es ambulé aux trois îles du quartier Xavier, à la Beaufort, siffle comme un pion visant sans louer. Papa, écoutez, je l'ai su. Le jour où je l'ai vu pleurer parce qu'il était déçu. Oh, des rêves qu'il a eu en quittant sa terre natale. Ici, la réalité l'a heurté de façon brutale. Aujourd'hui, ils sont en train de s'apercevoir ce que c'est que le rap. Le Ministère Hammer, c'est du rap, c'est tout. Et ça, ils aiment pas, quoi, c'est tout. Voilà. D'habitude, ils avaient l'habitude d'entendre tout ce qui était du bien faire du funky sur la partie de la dance, tu vois. Et aujourd'hui, il y a des rappeurs qui viennent et qui font ce qu'on appelle du rap. Et crois-moi qu'il y en a plein comme nous qui viennent et qui arrivent dans le même sens. Et ils vont pas aimer, c'est sûr. Il y a des petites phrases, des petits mots, des... qui vont pas aimer parce qu'on tourne pas autour du pot, on n'est pas là en disant hey, cool, on fait la fête. Ça devient trop chelou. Il saisit ses meufs et puis ensuite il chez vous. Hein, les rangs pas sans goûter. Mais que s'est-il passé? Les huissiers ont fait un char avant d'enculer. Les flics sont fait aussi de la partie. Au cas où tu ne voudrais pas qu'on te vole ton logis, ils sont partis. Laissant la porte ouverte comme des bandits. La bande à Charlie. Ouais, on est en train de produire leur album. Ghetto Youth, ouais, nous on produit leur album. Maman, c'est personne. Et comme je disais, il y a ton Lascar, il y a Francky. On est trois. Et là, on est en train de produire leur album qui sera fini normalement dans un mois maximum. Est-ce assez règle dit pour ceux qui doutent de mon état d'esprit quand je shoote? L'unique phénomène, c'est moi, épaulé de Kurtra, Delta, Widdy et Judy dans le combat. Le reste de mon équipe n'a pas une arme d'artiste. Lascar, personne n'est Francky, plusieurs fois récidiviste à l'attaque. Alors j'ai boué les amis. Il manque ça, il manque ça.
moi aussi je suis fait la vie. Je suis fait la vie. Sur la place. Et moi je kiffe Titi. On kiffe, Maud, la jolie.